Salut. C'est Patrick. Ils avaient l'info que j'étais là. Ah oui, j'ai passé. La faciale quoi, c'est. Qu'est-ce que c'est? On a cassé le moteur. Je suis tellement battu les couilles. Je suis pas trop bien sorti, mais ça fera l'affaire. Tellement dur ce virage. Si, si, un cut sur la backstreet là quand tu vas sur la zone grise. Je crois que si tu vas. Ouais, je crois. Ouais, ouais si, tu meurs vraiment dessus. Ok. Quel con. On a largement le temps. On va voir les premiers chronos qui vont s'afficher en bas. That's 5 minutes of fuel left. Oh, je l'ai bien passé là. Il faut que j'en profite, que je m'applique. You're a tenth off the pace in sector 1. Your front brakes are pretty hot now. Allez, partie compliquée. You're a tenth off the pace in sector 2. Watch your right rear temperature, it's getting hot. You've got half your fuel left. Une histoire, et après je retourne au stand. Sector 3 is 0.44 off the pace. You've got 10 minutes left, 10 minutes to go. Oh, je peux gagner 3 dixièmes juste sur le virage à la fin du secteur 2 là. Si tu tournes le volant au bon moment, tu peux tout passer à fond, mais c'est dur. Avoir un peu de réussite. Il y en a qui arrivent à le régul, mais le traffic approaching, watch your mirrors. Left side, clear on your left. On your left. Clear left. Your brakes are cold, be careful. On the left side, clear left. Car on the left, clear left. De toute façon, je vais faire comme d'hab, pendant la course, je vais rouler avec un max de TC. Salut Yann, on est sur Indianapolis, Grand Prix. De toute façon tu le vois, hein, tu vas vite te rendre compte dans quel pays on est.
Ah, c'est comme ça qu'il faut que j'arrive à le prendre. Le problème, c'est que là, j'ai pas forcé. Touche pas le mur, putain. Oh, t'es là, toi, toi. Ah. The guy ahead has just posted a 131.64. There's a car exit in the pits, heads up. Salut, monsieur Hectare. Oh, mister, c'est tard. I don't know. New fastest lap for Richards, 130.90. Ça commence. Merde. Ouais, c'est ça. Dès que tu vois un ovale, tu sais que t'es aux US. Oh, surtout Indianapolis, quoi, c'est... J'arrive pas à le prendre dans le jeu. C'est chiant. Je suis loin, je suis loin. Après, c'est à peu près le chrono que je m'attendais à faire. Vas-y, un petit tour en TC3. Je sais pas trop ce que ça va donner. P17. Sector 3 is 0.6 off the pace. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. À glisse. C'est chiant, putain. Ah yes, merci, ça fait plaisir. Hop, on va mettre encore moins de carburant parce que... Je pense que TC4 c'est pas mal, je peux faire un bon temps avec juste que je m'applique. Parce qu'il est cool avec les... Même si les courses sont un peu longues, je pense que les courses de 45 minutes, tu vois clairement... Quand ça va être calme pendant un bout de temps, tu peux mettre en x2 et tu vois quand même ce qui se passe. C'est pas comme genre League of Legends ou n'importe quel jeu de shoot, si tu mets en x2, tu comprends plus rien. Bah le dernier gauche, moi quand je l'attaque, je décolle. Donc je veux pas trop le tenter. Je veux juste améliorer. Je sais que je peux aller un tout petit peu plus vite. En gardant ma trace. Puis j'ai regardé les autres rouler. Thoman et Shinchik, ils ont pas l'air de trop couper dessus. Donc... Il y a moyen que ce soit plus rapide si tu arrives à bien le prendre. Mais j'ai l'impression que c'est un peu random en termes de. Du jump. Your front brakes are getting a bit hot. Your front tires are cold. Allez, Johan. Bon, déjà, je suis carrément mieux que la dernière fois. J'ai freiné tôt, putain. C'est pas fou ça.
Tire temps are good. Allez, là, le risque c'est de s'emballer, c'est de jouer safe. Oh putain, le freinage sur l'ovale là. Vraiment freiné tard. Ça va être un bon tour, ça, je suis content. P8. You're 2/10 off the face in sector 3. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. J'aurais mieux fait de rester derrière, je pense. La BM a l'air plus cool à conduire que la BM. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit la BM. Elle était bien la BM. Allez, GG. Salut. Merci d'être passé. Ah oui, il fallait que je vérifie ça. J'étais à combien à l'arrière? 2, 6, 14. Est-ce que... 15 minutes, load. Est-ce qu'on est pareil? 2, 6, 14, c'est bon. C'est un truc de ouf là ce qui vient de se passer. Bon, désolé, il y a le truc à gauche en double. Oh, il passe pas dessus. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Lui il vient de passer la ligne. Passe pas dessus non plus. Putain, mais les... par contre tous les pilotes BMW ils restent vachement sur les rapports élevés pour jouer avec le couple, mais les 720 et les 650S c'est ils conduisent ça comme du deux temps quoi, c'est incroyable. Putain. Ah, j'aime pas être dans la position dans laquelle je suis par contre. Il faut que je me fasse confiance. Hugo Silva. Bon, ça m'arrange s'il est devant. Parce que je sais qu'il est agressif lui, donc quand il est derrière, ça met pas trop à l'aise. Et bon, comme il est rapide, on va essayer de le suivre. Il va peut-être nous faire le passage devant. Session E9. Ah, oh, sans entraînement, c'est chaud. Hein. Il se démerde pas trop mal en plus. Hein. Ah là là, ouais, là il y a pas moyen là. De toute façon, je vais rouler comme d'hab, moi je vais rouler avec le TC vachement haut. On va pas se prendre la tête. Donc je sais que je serai pas sur la même strat que les autres. Je vais pas regarder. 28-4, 28. 8, 33,5 et moi j'ai roulé en 28,7, 33,5. Ouais, c'est sur tout le long du circuit, je suis un peu en retard. Sur la graille, tu pars comment, intérieur ou extérieur? Je sais plus. Aucune idée, je me rappelle plus. On va vite le voir. C'est incroyable que je sois qu'à 4 dixièmes, c'est un coup de ouf hein. J'en reviens pas.
À Sebring, j'étais à plus d'une seconde. J'étais à une seconde de 5, je crois. Eh ben. Ça va? Ouais, j'avais encore du temps, mais ouais, c'était dur à aligner. Bah, sans entraînement aussi, c'est chaud. Hein. Et où, là? P9. Ah ouais, t'es chaud. T'as fait quoi, 31-2. Ah ouais, j'avoue, t'es chaud. Ouais, non, j'aurais pas pu aller taper jusque-là. J'avais du temps, mais pas autant. Je pense que j'aurais pu taper un 31-5, mais j'aurais pas fait mieux. 31-5, ça m'aurait mis loin quand même. Hein. Ouais, ça fait. Les mecs sont chauds. Ouais, on est stacké devant, c'est un truc de ouf. Et en plus, je me suis même pas pris la tête avec le meilleur temps et tout. J'ai essayé vraiment de me concentrer sur moi, quoi, tu vois. Pour essayer de pas me distraire, mais. Ah oui, non, mais oui, faut faire ça. Et ça va aller, tu penses, la course, le setup, il va le faire? Le set, ouais, il est propre. En fait, j'ai retrouvé... bah, je sais pas, tu tournes en combien, toi? En course? Ouais. Je suis en 32... Sur la 85 minutes. En 32, sur la 45 minutes, pardon. 45 minutes, ouais, ça va être... Y a peut-être 32, quelque chose, ouais. Ah, il y a peut-être moyen de faire, s'il n'y a pas de trafic, un 31-9, tu vois, le premier tour. Ah, ouais. Et après, d'accord. Par contre... C'est du 32-5. Okay. Ouais, là, je pense qu'en mieux, je vais faire du 32-5 et après, ouais, ça va tomber 33, je crois. Ok. Bah, après, tu vois, je regardais. T'as le bonjour de David Dehas au passage. Comme je suis en stream. C'est sympa, ouais. Il t'entend. C'est cool, c'est sympa. Bah, pareil, je peux te renseigner également. Bah, il t'entend, donc. Bah, voilà, bah, salut David, j'espère que tu vas bien. Non, a priori c'était un set du championnat hollandais là, auquel j'ai participé. Ouais. Et il était pas mal, mais bon, le problème reste toujours le même, hein, quand tu reviens sur un combo circuit de voiture, retrouver les points de repère. Oui, surtout celui-là, il faut être vachement patient là dans le secteur 2 au final pour aller 2, vite. Ouais. Mais j'ai remarqué ce que je disais sur mon stream, c'est que. Tous les pilotes Bentley, en tout cas ceux que je regardais, ils restent en troisième quasiment partout pour jouer avec le couple. Par contre, les McLaren à rétrograde en première, deuxième, à dans les tours. Je sais pas pour la R8. Bah, la R8, j'aurais mal pour le problème, c'est que la mode de vitesse est mal foutue. Alors du coup, si tu passes la seconde, il faut vraiment que tu ralentisses bien. Quand tu sors de la backstride, donc t'as le gauche rapide là. Ouais. Moi celui-là je le passe en 3, et ensuite là si je continue en 3, soit je prenne pas assez et du coup j'ai un virage qui m'envoie super mal pour la sortie du banking un peu là. Et si je passe en 2, je ralentis sa mort parce que je tape trop fort dans la boîte c'est pas idéal quoi, elle est pas très bien étalée. Là c'est la 15 minutes, hein. Hop, 15 minutes, je vais mettre 33, ouais. Moi je mets 27, 8, je vais mettre... Bah il y a le tour de formation aussi, moi ouais, j'ai mis je vais mettre 35 litres, ouais. Je vais mettre 35 litres, ça ira très bien. Tu consommes combien au tour? 2,74. Ouais, à peu près pareil. Après c'est 100 personnes devant ça, donc oui, voilà, il y a moyen que t'aies de la spi sur un ou deux tours. Là je viens de faire deux tours quand je suis arrivé sur le serveur en mode... En mode course avec 80 litres, et ouais, j'étais à 2,71, je crois. Je me suis dit, vas-y, je crois que j'ai compté pour 90 de toute façon. That's 2 minutes left, 2 minutes. It's a car leading up in lane. 9e, what the fuck? The leader has just done it on 31.87. Ouais, il faut quasiment les temps de qualif avec le setup 15 minutes. Putain, quand les pneus sont neufs, ma voiture elle est plantée quoi. C'est... Le setup là il est énormissime. Heureusement que Risto Capet a oublié de cacher son setup sur cette course. Bon, après j'ai changé énormément de trucs parce que
Ah, faut que je tourne plus tôt, putain. We need to find a tent in sector 2. The guy behind has just done a 132.18. The leader's just done a 131.49. Incident in sector 1. Sector 1 is yellow. Clear right. Ah, c'était toi. Ah, Il y en a un qui arrive tellement sur moi là. Incident in sector 3. Sector 3 is yellow. Heads up, there's a car exit in the pits. 31-4. Sector 3 is 0.40 off the pace. The c'est pas moi ça. Ah, c'est pas toi. Non, j'ai fait 32-1 là. The guy behind has just done a 131.78. Alors, on vérifie, tout ça c'est bon, le stream c'est ok. The guy behind has just done a 132.18. That's the end of the session. P12. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Vas-y, on va se mettre là. Ça en réduit. Tout est prêt, tout est bon. Calibré, préparé. Allez. Bah, bonne chance, hein. Ouais, toi aussi. J'espère que ça va bien se passer. Ça va pas être trop agressif. Mixture, safety car. Alors là, on se court pas. Je suis entouré par les McLaren. Au bout de la quoi, j'en avoir besoin, je crois. Oula, bah il y en a déjà deux, ils sont mis dedans. Pour rappel, vous pouvez voir le stream officiel sur la chaîne traction.gg, TARXION GG. Ouais. Si on mettait Air Factor 2 Indianapolis GT Challenge sur YouTube. Je pense qu'il y a la chaîne Twitch Air Factor officielle ou un truc comme ça aussi. Ça me rappelle, je un peu les pneus. Ah, j'ai pas check la température. Moi non plus. Je crois que c'était 27 qui était annoncé. Sur maintenant. Ah, j'avoue. Sector 1.
clear left, far left. C'est chaud, putain. Still there. Still there. Still there. Clear on the left. Incident in sector 2. Sector 2 is yellow. Oh là là, dis donc. C'est rapide, hein. Et la bagarre. Hurricane. Je reste là, je pars en pôle course 2. Hein. Bien faire chier tout le monde. C'est la première course, hein. Pas raté grand chose. Don't let this guy intimidate you. Your front brakes are getting pretty hot. Juste un petit gap derrière, ce serait pas mal. You've just done a 132.22, sector 3 is 0.38, off the face. 10 minutes to go, that's 10 minutes left. Un bonheur, c'est un best. Quoi?
Half distance, fuel looks good. Was at 132.44. Yellow flag in sector 1. Il m'a touché la dernière. Non, je ne... Qu'est-ce qui se passe? Sector 1 is clear. Tenth position. Ah, il est proche. Ah, c'est Remco. Merde. Il va m'attaquer là, je pense. Bah, il est proche, j'ai moins la spi. Je pense qu'il va y aller. Jacobs behind is now 0.7. Green flag sector 1. We think that Fernandez has crashed. Ah, ça change tout, ça prend ma course 2 par contre. Après, c'est peut-être mieux. En termes de strat, de partir 11e que premier. Parce que quand tu pars premier, t'as que des mecs plus rapides derrière toi. Et du coup, te faire passer 10 fois, c'est tellement risqué. C'est peut-être pas con en fait. Sachant que la Remco était plus rapide que moi. Of fuel remaining. Green flag sector 3. 5 minutes remaining. 5 minutes left. Come on, keep pressing him. Force that mistake. Je ne sais pas que Tirlun derrière revienne. Il va peut-être se passer des dingueries devant. On les connaît. Hein. Non, j'ai pas touché.
Ah non, il a pas touché hein. Sector 3 is yellow. We think Lockhart and Marquez have spun off. Flag sector 3. C'est le top combien qui marque des points course ce sprint? Top 10 ou top 15? Je m'en rappelle plus. Est-ce qu'on est flat derrière? C'est un freinage tardif. C'est pas le moment. Je me suis appliqué de ouf là. Avec le t'avais fait la jonction un peu derrière. Il a l'air d'être pas trop bien sorti derrière. Moi je l'ai. Tout petit peu d'aspi normalement. Off the pace. Sector 2 is 0.6 off the pace. Sector 3 is 0.40 off the pace. Pas de bêtises. 5 minutes of fuel remaining, 5 minutes. The gap to Dolan behind is now 0.50. That's the end of the race. We'll get him next time. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Je pense qu'on a la meilleure place possible pour la course 2. On your right side,
Il me restait 7 litres. On va consommer 2,62 là. Ouais, plus 18. Partant plus 26, pas mal. Ah ouais, belle remontée, bien joué. Ouais, toi P11. Ça donne... P11, ouais, ah ouais. J'ai perdu. Et c'était chaud au début. Ouais, bah dès le premier tour, je me suis fait attaquer un petit peu de partout, mais je préfère. Au final, tu vois, P11, c'est bien parce que je pars pas. Pendant très longtemps, j'étais P10 et je serais parti premier de la course 2, ça me plaisait pas trop. Ouais, au final, P11, bah tu te fais dépasser 9 fois, quoi. Ouais. Beaucoup de risques. Derrière, quoi. Là, on va voir. On est à la meilleure place.